Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu ne me connais pas, sache que je m'appelle Anthony, que je suis le fondateur de cette chaîne YouTube, mais également le créateur du site anthonypermis.com. Et justement, ça tombe bien, puisque maintenant on va parler un petit peu de la formation que j'ai créée qui s'appelle Sprint, parce que vous êtes nombreux à me laisser des messages par email, sur mon Messenger, ou tout simplement par la rubrique « Contactez-moi » sur mon site internet. Donc justement, dans cette vidéo, je vais répondre à quelques-unes de vos questions que vous me laissez régulièrement. On y va. Une question qui revient assez régulièrement, c'est « Que contient justement ta formation Sprint ?» Eh bien, c'est très simple. Cette formation, je l'ai créée durant l'année 2020. Ça m'a pris quasiment un an, le temps de l'écrire, le temps tout simplement de tourner les vidéos, de faire le montage et aussi de trouver un collaborateur avec qui créer ce site internet. Dans cette formation, je vous donne mes méthodes, je vous donne mes astuces pour pouvoir progresser rapidement au code de la route. En réalité, quand vous vous inscrivez dans une auto-école, la plupart du temps, on vous donne un bouquin de code et c'est vrai que, honnêtement, tout le monde n'aime pas lire. À travers cette formation-là, vous retrouvez l'intégralité du code de la route. C'est vrai que, honnêtement, c'est peut-être plus agréable de regarder des vidéos avec quelqu'un dont le feeling passe bien, plutôt que de venir se pencher parfois dans des bouquins alors qu'on n'a pas forcément l'envie. Dans cette formation, j'ai aussi la chance de vous donner des questions sur lesquelles vous pouvez tomber le jour de l'examen. Alors évidemment, ce n'est pas de la triche, c'est juste que ça fait bientôt 11 ans que je travaille dans l'auto-école et qu'à chaque fois que mes élèves passent l'examen, bien évidemment, je m'amuse à chaque fois à leur demander sur quelles questions ils sont tombés. Les questions les plus pertinentes, je me suis amusé à les inscrire et de temps en temps, c'est vrai que vous avez la chance en prenant cette formation de les connaître. Alors évidemment, je ne connais pas toute la banque de données des questions de l'examen, mais j'en connais quand même quelques-unes. Les vidéos que vous trouverez là-dedans parcourent les différents thèmes du code de la route. Je vous rappelle qu'il y en a 10 au total, 10 obligatoires sur lesquels vous allez tomber le jour de l'examen. On ne peut pas faire autrement. Dedans, je vous explique par exemple tout ce qui est réglementation, les panneaux, les marquages. Je vous explique aussi tout ce qui est calcul des distances d'arrêt, mes astuces pour pouvoir ne plus jamais se tromper sur les questions de croisement, de dépassement, les règles à connaître, le stationnement, mais aussi des exercices que j'ai créés moi-même pour pouvoir progresser rapidement. Question numéro 2, c'est pourquoi la choisir ? Eh bien, c'est très simple. Dans cette formation, j'ai un vocabulaire complètement simplifié. J'ai d'ailleurs une playlist consacrée exclusivement sur YouTube au code de la route. Je te mets le lien juste ici en haut à gauche d'un vocabulaire que j'ai complètement simplifié et que je te conseille d'ailleurs de voir avant de passer l'examen du code de la route. Tu auras aussi à l'intérieur des questions que tu auras aussi le jour de l'examen, mais aussi des exercices pour voir si vraiment tu as bien compris le thème dont on venait de parler, mais aussi de l'actualité en temps et en heure. Le problème, c'est que si tu travailles tout seul ou que tu ne passes pas dans une auto-école, ou pire encore, si tu n'as pas de moniteur d'auto-école avec toi en train de t'expliquer, en train de te donner des conseils et des astuces, pouvoir tout simplement répondre à tes questions, tu ne seras jamais au courant de l'actualité. Alors évidemment, les règles ne changent pas énormément. Par contre, l'éthylotest, je suis prêt à parier que tu ne sais peut-être pas aujourd'hui que c'est un accessoire qui n'est plus obligatoire dans le véhicule. Alors qu'il y a encore quelques mois, ce n'était pas le cas. Question numéro 3, en quoi est-elle un accélérateur de formation ? Eh bien, le défi dans cette formation, c'est de transformer les mois en semaines. Comme je viens de te l'expliquer, parfois tu es seul à travailler et même si tu réussis à un moment donné, ça t'a peut-être pris des mois, peut-être même des années. Peut-être aussi que d'ailleurs ça t'a coûté beaucoup d'argent parce que ton code, tu l'as passé 3, 4, peut-être même 5 fois. Alors c'est sûr que le prix de l'examen n'est pas forcément excessif, ça va dépendre de chacun. Mais si tu t'acharnes à passer l'examen en te disant « à un moment donné, ça va finir par payer, je vais l'avoir », c'est vrai, mais au final, à quel prix ? Moi, ce que je te propose, c'est tout simplement, si tu l'acceptes, de passer à un stade et un niveau supérieur en choisissant d'investir dans cette formation et surtout d'augmenter tes connaissances et d'accroître tes capacités. Quand je dis accélérateur de formation, c'est qu'à l'intérieur de cette formation, j'ai également mis toutes mes connaissances. Ce sont des méthodes qui fonctionnent puisque cela fait plus de 10 ans que je les utilise avec mes propres élèves. Question 4, à quel prix ? Alors, l'argent, c'est peut-être des fois un sujet qui peut être tabou, mais moi, honnêtement, j'ai pas vraiment de problème avec ça.
Pourquoi? C'est très simple, 98% de mon contenu est gratuit aujourd'hui. Tu le trouves dans des articles que j'écris sur mon site internet, dans mes vidéos YouTube et tout simplement sur les réseaux sociaux quand je réponds bénévolement à toutes les questions que l'on peut me poser. Aujourd'hui, je ne vis pas de YouTube, je vis tout simplement du métier que j'exerce, c'est-à-dire celui d'enseignant de la conduite, autrement dit moniteur d'auto-école. Le prix de la formation est de 37 euros. Certains vont dire que c'est cher, d'autres vont dire que finalement ça va, d'autres ne vont pas forcément croire qu'ils en ont besoin. Il n'y a pas de souci, tous les choix se respectent. Ce que je peux aujourd'hui te dire, c'est que de temps en temps, il y a des promotions. Cette formation est mise en ligne depuis peu. En tout cas, ce que je sais, c'est que ceux qui ont décidé de la choisir ont déjà eu du résultat. Autre question, y a-t-il des tests dans la formation ? C'est une excellente question. Il y a trois possibilités. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore de test dans la formation. Mais à l'heure où tu regarderas cette vidéo, il y aura la possibilité d'avoir des tests dans la formation. Il y a trois choses complètement différentes. D'un côté, on a la formation. D'un autre côté, il y a des tests. Et d'un côté, à un prix un tout petit peu plus élevé, tu retrouveras de la formation plus des tests. À toi de voir le produit dont tu as besoin. Comme je le dis souvent, la formation, c'est un petit peu comme si à l'école, tu avais tes cours de ton professeur. Les tests, c'est un petit peu comme si tu avais des exercices. Si tu ne fais que des exercices sans jamais comprendre les règles, sans avoir les cours de tes professeurs, c'est inutile, tu perds du temps et de l'argent et beaucoup d'énergie. Question intéressante, c'est quoi la différence entre le contenu YouTube et le contenu payant, c'est-à-dire la formation? C'est une excellente question. Prenons un exemple simple. Quelle est la différence entre, si tu es perdu, le fait que je te donne une boussole et d'un autre côté, le fait que je te donne un GPS? Dans les deux cas, tu es capable de t'en sortir et dans tous les cas, je t'apporte une certaine aide. Ce qu'il y a, c'est que la boussole peut te suffire. Si jamais tu es débrouillard et que tu es persévérant, le GPS va directement t'amener à un résultat. Évidemment, le résultat fonctionnera aussi si tu t'investis. Le problème aujourd'hui de certaines personnes, c'est qu'elles peuvent croire parfois que les choses se font rapidement et de suite. Alors que souvent, quand on est dans l'apprentissage de quelque chose, c'est bien l'inverse qui a tendance à se produire. Question numéro 7, pour combien de temps ai-je accès à la formation ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu valides le paiement de cette formation, tu as un accès de 3 mois. 3 mois, soit 90 jours pour voir et revoir au maximum la formation. Ce que je te conseille personnellement, c'est de ne pas forcément revoir intégralement la formation, mais plutôt de te pencher sur les différents thèmes qui peuvent t'apporter le plus de contenu. Tu le sais déjà, il y a des contenus que tu as et d'autres que tu n'as pas. Prends des notes. Réussis les exercices et n'hésite pas à voir et à revoir au maximum ce contenu pendant 3 mois. 90 jours, c'est ce qui permet largement, normalement, d'avoir un bon niveau et surtout de réussir l'examen. Question numéro 8, combien de temps dure la formation ? La formation dure très exactement 258 minutes, c'est-à-dire presque 5 heures de formation. Autre question, je suis en conduite, est-ce que ta formation sprint peut m'apporter quelque chose? Bien sûr que oui. Je te donne un exemple très simple. Combien de personnes chaque année loupent le permis de conduire pour la simple et bonne raison qu'elles avaient une méconnaissance du code de la route? Un exemple, j'estimais que c'était à moi de passer, en réalité c'était pas vrai. Je décide d'effectuer un dépassement, malheureusement le marquage au sol ne le permettait pas. J'arrive sur une situation où devant moi j'ai un véhicule lent, qu'est-ce que je dois faire? Un conseil, si tu as déjà tout ici, forcément en pratique, tu économiseras aussi beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Tu sais, aujourd'hui les règles du code de la route, c'est un petit peu finalement comme si demain tu décides de faire un gâteau au chocolat. Au début, tu as besoin de toute la recette. Une fois que tu as la recette, tu peux passer à l'action, c'est-à-dire faire ton gâteau. Ce qui se passe, c'est que si tu prends l'habitude de faire ce gâteau-là, t'as tellement l'habitude de le faire que la recette, tu n'en as plus besoin. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te donner toutes mes recettes, que toi, tu les apprennes par cœur et que du coup, derrière, en conduite, tu puisses gagner du temps. Vous savez, je côtoie beaucoup de moniteurs d'auto-école, pas mal d'inspecteurs aussi. Et ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, quand on fait un petit peu le bilan, ce qu'il en ressort, c'est que depuis que les élèves peuvent passer tout seuls le code de la route, il y a à peu près une moyenne de 10 heures de plus en leçon de conduite. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ils n'ont pas toujours les bonnes connaissances et du coup, en leçon de conduite, on fait en fait du code de la route. Si je te donne un exemple classique qui arrive régulièrement, la rue A30, la zone A30. Souvent, un élève va se dire
C'est pareil. Honnêtement, si tu penses que c'est pareil et que demain tu passes le permis de conduire, attention, il y a de grandes chances surtout que tu ne l'obtiennes pas. Et dernière question, à quoi sert le groupe Facebook ? Le groupe Facebook, c'est tout simplement un groupe d'entraide sur lequel, justement, dès que tu prends un produit sur l'espace boutique sur mon site internet anthony.com, tu gagnes un accès sur ce groupe-là. Dessus, tu y retrouveras des gens qui sont en formation de code, en formation de pratique et qui s'entraident. Évidemment, le respect et la bienveillance sont indispensables. Voilà les gens, on a fait le tour des 10 questions qui reviennent le plus. Je me suis dit que ça allait être plutôt intéressant et pas trop mal, finalement, de vous expliquer un petit peu le contenu de ma formation, le contenu de mon site internet. Évidemment, rien n'est obligatoire. Vous pouvez tout simplement continuer à regarder et à visionner les vidéos YouTube. De mon côté, je ne laisserai pas tomber YouTube pour faire que de la formation. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, d'aider aussi au maximum de personnes. C'est juste que d'un côté, ceux qui choisissent un contenu payant décident tout simplement de passer au stade supérieur. N'hésitez pas les gens, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un pouce bleu. Et si tu as testé toi aussi la formation Sprint, j'attends ton avis sur mon site internet. On se retrouve bientôt les gens pour une prochaine vidéo. À plus.